Fidèle Haïti Media on yo, pays a tellement déchaîné en dégringolade, bandi yo tellement à l'aise koue mouche blaise dans la République. Dans zone bon repos, yo lancé yon opération kase kay moun, rentre al kidnappé moun avant bajou kase. Nan optique sa, yo pote ale yon ti bitit 9 lane ki gen non Nason Nelson et comme revanche, la police mari 6 individus, 6 malfrats qui impliqué dans 4 dossiers si la. M'bral bon détail, m'bral bon bon jan explication, mais m'mando en signe d'encouragement abonné avec channel la. C'est unique façon, unique moyen ou capable pour vitinek en tout prêt la ou remel, ou ap encourager tout bon vrai. Salutations pour nous toutes, est-ce que nous en forme, est-ce que nous kembe? Jounen jodi a bandi yo trop à l'aise. Pour y ap créer panique comme ça dans pays ya. Malgré même avec coup, même si nous avons un rêve comme ça, pour ta dire maintenant qui ça pays d'Haïti t'a tombé, nous pas jamais quoi. Mais journée jodi a, nèg sa yo qui nan tête l'état, k'ap coupé, k'ap raché, c'est là qui t'a travail pour te mettre l'état et mais journée jodi a, mes côté l'état trouvel. Mais faut me dire depuis l'autre jour, dans semaine qui passé ou là, gen un gang k'ap évoluer dans zone bon repos. Et gang ça, m'pa konnen si son façon pou nèg yo fè nan zone nan pou yo capable citer non yo tout, est-ce que vous comprenez? Nèg yo rentre non logique, non opération qui dit casser kay moun. Et selon information, l'autant de nèg sa yo rentre la kayou sou gen ti finan ka la, non seulement y a accélé li, sou gen moun encore y a plan y a pouté aller avec yo et ou même y a moun don ti makout l'argent pou capable joindre moun sa après au fin prendre aller avec li. C'est ça jounen jodi a kidnapping n'a innové, ça son kidnapping domicile à domicile et ça ba ou la oui. Mais mes amis Haïti Media on yo gang sa yo hier jodi et mercredi 20 octobre 2021 grand bonnet vers environ de 2h du matin nèg yo rentré nan kay comprendre qui trouvé nan zone Rosambedé nan quartier si la nèg yo gen ton yo vie kay la tête en bas. Après ça, les opérales, yo prend yon petit 9 l'année qui relè Nelson Nason, yo allé avec lui. M'pa konnen nan moment comment négociation a yé, mais nèg yo gen un bon petit temps là depuis semaine nan là, nèg yo a fait vie exacti là dans zone bon repoua. Mais fòm dou, c'est dernier coup pour moi même qui t'a pas touyer coucou. Après nèg yo fin fè gosse exact ça rentre nan quartier Rosambedé pour t'y aller un petit monde, comprendre casser plusieurs cailles dans quartier là, et bien moun yo levé campé, moun yo relé en moué et pendant après l'amour là moun yo té en diable et tout gros colère on comprend moun yo en min mari dans fond yo bien yo indexé 6 individus 6 malfrats qui t'a derrière toute action ça dans zone là et qui t'a fait partie yon gang qui a évolué dans zone bon repos et gang ça li gen pour mettre li gen pour chef yon certain de Patrick c'est sous nom ça yo connaît individu mal intentionné si là et bien pas bon menti façon moun yo comprendre t'a soulever colère yo façon moun yo comprendre t'a exprimer yo si la police pas de temps paraître mes chers amis t'es ka gen en pile de blousailles qui fait dans zone bon repos si là les la police paraître comme clamer public gen temps dit mais moun qui t'a des tout zak sa yo la police procéder avec arrestation présumé kidnapper sa yo nek sa yo qui trouvé yo nan groupe gang en dans bon repos ka dirigé par un certain de Patrick est-ce que n'tande de causer et mes amis Haïti Media on yo bral communiqué 6 non individu 6 non jeune garçon sa yo qui trouvé comprendre yo à l'aise pour terroriser population parce que c'est population qui vivent avec yo c'est yo même encore qui dénoncer yo est-ce que comprendre et bien moi obligé communiquer nous yo très rapide gagne Dieu fini la guerre qui gagne seulement 20 l'année gagne Fredlin Jean-Baptiste gagne 24 ans gagne Clarence Moreau il gagne 18 l'année gagne Jean-Yves Destiné qui gagne 28 ans gagne Bellevue Jean Renel qui gagne 36 ans gagne Peter Kangé qui gagne 22 l'année de bois garde nèg yo ou gagne temps ouais qui kaka oui ou alors elle me dit qui kaka on dit qui kaka bête qui ouyé est-ce que nous là avait dit ou gagne temps ouais nèg ça ou couler tête ou couler kaka avait dit m'pa bon menti la police prend nèg ça actuellement là yo nan men comprendre de CPJ ou pour répondre quelques questions suite à avec infraction que yo reproché yo bagala vraiment compliqué bagala vraiment drôle mes chers amis et m'pa bon menti pays a li livré en bas gang et j'aime te dire m'a souvent dit pays a totalement gangsterisé ça qu'arrivé dans oreille ou attendre tout anti l'appli ou attendre iso ou attendre ti monsieur Genef yo gen moun ki pral fache c'est mettre Genef dans liste gang mes amis yo ou que peuple a gen bon sens et faut me dire tous amis Haïti Media on yo gen moun c'est l'amour sans ou attendre pour même c'est celle gang ça pays d'Haïti gagné mais pourtant c'est bien compté mal calculé et bien li simple grand pile gang là qui beaucoup fait hit gen en pile gang là qui beaucoup gen non dans la République Cap City
réellement. Est-ce que vous comprenez? Et bien, journée aujourd'hui, est-ce que gang Patrick ça, son façon la faire là pour le cap dans la rue, bon puisque vous dit les types pour la chaud et mal fini d'elle. Mes amis Haïti Media on yo, la police prend 6 malfrats ça, sanguiné ça toujours, mais gagne l'autre toujours qui composé gang ça qui a évolué dans bon repos. Mais qu'on y a ça qui est important, intéressant, là on va parler, comprendre avec population haïtienne non. Imaginez-nous aujourd'hui à suite avec beaucoup de filets ça que la police a fait, c'est grâce avec population bon repos. Ou imaginons parce que même d'une déjà nous les dirigeants qui nous gagnent dans tête pays à cap couper cap racher n'est que ça ou pas bail institution policière la régler en rien pour yo. C'est nous même qui connaît importance la police là, c'est nous même qui connaît si la police attaque crase journée jodi a qui va les bagaille n'a perdu dans communauté haïtienne parce qu'on d'accord avec moi ou nous gagne deux forces publiques malgré nous gon l'ami pour bonne qui là n'est que ça ou c'est manger spaghetti manger pâté le matin faire gros vente après ça prend chèque ou prendre al boulot actif pendant ce temps c'est agent policier qui tout côté c'est agent policier qui sous frontière c'est agent policier qui a fait idée faire comprendre cap essayer garder comment t'es capable ba nous une petite classe sécurité même yo même moi vit pas ou pas épanoui dans moment y a essayer sécuriser ou même qui dans mi-temps qui composé population haïtienne bagala vraiment compliqué bagala vraiment drôle mes chers amis mais you nan bagay qui important intéressant que m'a dit là ouais l'on choisi mettez main avec police là l'on choisi dit bon m'a travail de concert avec institution policière là nèg yo paraître plus efficient nèg yo paraître plus dynamique parce que m'a pas bon menti si ou même ou pas vle aider ou comme ou vle pour sécuriser c'est nous tout oui qui vous mettez main nous dans patte là pour nous capable contrer carré malfrat sanguinaire ça parce que m'a pas bon menti le fait que population comprend la victime en bas mais malfrat si là yo la victime en bas mais sanguinaire ou imagine ou un agent policier pensez à l'aise pendant l'a informé tout temps l'a jeune des informations qui dit mais tel groupe gang qui créé et pendant ça lui même lui connaît ni là pour combattre toute gang yo sont pas d'accord quand pas avec côté le bois jeune force ça même lui pas faibli hein d'ailleurs dans institution policière là nous déjà ouais nèg yo vous comprenez y'a font façon pour fistrer yo et puis tout l'autre remarque moi même moins fait mes chers amis pas connait si n'a suivre ça même j'ai avec moi le plus souvent l'aime tendre la police mais non coup de filet li arrêté quelques gangs dans la République. Les mal garder quelques images, les mal garder fond dossier ya. Les mal garder moins son paquet jeunes garçons, jeunes femmes que la police toujours procéder avec arrestation yo. M'a posé une question, je ne jodi ya. Imaginez jeune ça ok au prend là qui fait partie des groupes gangs qui pas abjurer dans bon repos. M'a garder gain là de qui gain 18 l'année, gain 22 ans, n'est qui t'a supposé l'école toujours ou bien finir avec études classiques yo, al entamer yon études universitaires qui t'a pas le servi pays ya. Mais je ne jodi ya m'a posé tête moi question est-ce que l'état en soi li pas complice comprendre l'oe jeune ça ou comme ça a intégré quelques bases ou man a intégré quelques groupes gang parce que ou imagine journée jodi a sous ta fond coup d'œil nan gang qui pote nou 400 maozoa et pas des nèg nou pas composé gang ici là et pas des jeunes garçons des jeunes femmes non gon bagay qui pas fait pour que ça l'état li même l'elle prend cobli yo comprendre yo obligé a comment a fourni bandi zam avec munition au lieu de prendre comme ça pour créer quelques bagages dans le pays, quelques l'école professionnelle pour faire jeune à l'apprendre. Mais journée aujourd'hui, il y a tout, faut pas trop hypocrite, oui. Parce que d'accord, l'apprend un jeune. Pas semaine n'a pas entré 200 300 000 dollars avec combien pour ou est-ce que pas avec nek ça pour doit prendre ou retirer dans sa lia pour mettre le comprendre à l'apprendre on comprend nos métier manuel est-ce que moi c'est nek ça attend de nous au contraire qu'après ça nous frapper dans tête oui mais faut me dire ça qu'on gagne là ou qui pas gagne vieille intention pour aller entrer dans gang yo il faut que l'état font façon pour encadrer yo ça gagne temps là yo capable comprendre en mode pourriti comprendre parce que moi qui ça me faire pour nek ça là pour ta changer yo c'est stopper vos stats pour ta stopper dans la ria mais ça qui la yo jeune garçon jeune femme qui croit que yon jou yo capable lever tête yo en dignité yon jou capable gagner l'argent tout sans que vous parle participer dans fait bagaille qui wong et bien il faut que l'état li rebat kat là il faut que l'état lui-même li repenser bagaille ça bagaille là vraiment compliqué bagaille là vraiment senti cri là et m'a dit à clair puisque moi pas gagner l'état mais je vois l'état qui vraiment actif dans pays a quand même faut le penser avec ça gagne quelques l'école professionnelle qui supposé implanté dans zone de non droit zone les plus souvent nous toujours prêt pour mettre alerte rouge sous yo pendant certaines temps par exemple font effort pour nous mettre alerte si là
ça vraiment important ça me sou dit là zami ta Haiti Media Union parce que m pa bon menti même ça on ti gens indigné le fait qui m'a regardé c'est jeune tout temps que la police a arrêté comme quoi qui dans kidnapping comme quoi qui dans fait bail viol comme quoi cap vol affaire moun pendant ces temps comprendre l'état t'es capable jouer gon gros rôle pour ta jouer dans ça mais il pas jamais fait rien il pas jamais font pas kita yon pas nago en tout cas cause vraiment en pile dans la république mais yon bagaille pour connaître ce nèg en tout prêt là voir information avec moi nga Haiti gen deux produits gen outil gen ban gen outil a qui sont pour manifester avec environ 8 produits organiques li là pour allonger tol puis nous détirer le bali bon en forme l'entend doit passer bail ça on comprend si pour mata c'est rouloloy ou a jeune gousset et en même temps ou a jeune allongement de 3 à 5 cm ou a jeune résultat ça dans moins que 2 mois et forme du tout gen ban nan qui sont comprimés le fait avec 13 plantes naturelles li là pour augmenter libido fene sec conquépin ça qui pote non bête à terre prend 3 comprimés chaque jour et dans moins que une semaine ou après qui valait effet la fin en rele connait en 3755406 ou Haiti ou l'autre bord de composé 514-846-97-76 ou capable acheter produit online sous zestofmoenga.com et pas oublier application bagi l'autre nom l'hypoté non zabdil c'est une application qui fait spécialement pour même qui dans affaire business ou même qui gon projet qui kanya pour ta même mettre le sous pied à partir de kounia fin fait photo produit à poster sur application zabdil là ou après comment y a marchandé dans mon parce que formule lundi avec zap ou pas fouti prend vie tape dans même mouché mal fecté si yo capable d'accord tout si yo gade oué même si gon transition à un gouvernement de consensus ou sauvetage national non combalia si yo gade oué à long terme soit dans date élection yo capable porter la mayole yo capable décider rentrer du tout dans gouvernement et puis yo rete de yo y a renforcé insécurité ou bien yo ka ba yon insécurité en général et de gadou yo ka ba on apparence que gon calme dans pays a pour élection pourtant si yo connaît que question élection yo déjà résolu. Maintenant le André Michel mandé pour évoquer Léon Charles c'est que André Michel semblait poco comprendre dimension bataille là. André Michel poco comprendre dimension bataille là même si André Michel même si Léon Charles pas bon vrai non Léon Charles pas bon vrai non d'accord oui Léon Charles pas bon vrai mais connait c'est pas doué André Michel qui mandé de par Léon Charles. Parce que Léon Charles te doit démissionner depuis le Jovenel Mouria et ceci dit, gouvernement en bloc te doit aller. Gouvernement était en place. Maintenant, barbecue pas ciblé l'autre monde dans le gouvernement. Qui pour Jovenel, que Jovenel te doit, qui était stable à nos jours? Parce que quelque part, son bataille politique, ça arrivait que M. Genevio, équipe Jovenel, là, a senti yo très confortable avec qui là. On l'autre monde te commandé. Mais moi André Michel qui t'a signé un accord avec Ariel Henry, on va pas demander. Deuxième bagaille. Ça a son erreur grave que André fait parce que voyer Léon Charles aller pas bail pas résoudre ce problème là et de 12%. Même si moi reconnaître que Léon Charles et son est qui nul et ceci dit il non avir et pas grand coca favel. L'autre porte qui dans la question que André Michel pas ouais, c'est que le André Michel mandé donc on conseil électoral provisoire moi senti que André Michel et soit pas qu'on ça le dit ou bien ça le dit li dit à dessein ou bien et li peut-être a chercher on bagaille que moi pas ouais attendez bien attendez bien attendez oui attendez bien gagne plusieurs choses que gouvernement pral vini André Michel par exemple. Comment on pense au gal café élection avec un pile municipalité qui remplit avec agent intérimaire. D'accord? Donc et comment vous voulez que toute eh bien municipalité ou dans les communes yo rempli avec agent intérimaire en pile là-dedans et puis vous demander pour justement faire ça noyeler donc et conseil électoral provisoire. Deuxième bagaille. Comment on gérer par exemple 4 démalogues là? 4 démalogues là, quelque part le piégé. Les piégés, et d'ailleurs, non seulement il y a de couper contre ça, et puis, regardez question 4 là. C'est-à-dire, si on met 4 démalogues là, si on met de côté, nous disons que nous mettons de côté. Nous mettons de côté, nous faisons de nouvelles cartes électorales. Parce que si nous pouvons bourrer 4 ça, ça peut arriver que gagner des trucs qui font nous condamnons à la mafia, nous capons quoi? Troisième bagaille pour regarder. Faut regarder au niveau de la stabilisation. Et gain bagaille nous pas besoin. D'ailleurs, c'est un erreur privé fait.
en 2017, en 2016, ça arrive privé, t'es qu'on a le théâtre. Mais leur changer et monde au niveau conseil étoile provisoire, mais sans tabulation, base données aurait été intacte. Maintenant, le poumon yo fait magouille là, yo fait au niveau sans tabulation, yo fait au niveau base données. Si on a changé conseil là, faut un ou toucher sans tabulation et ça permet que on regarde données en général qui ça qui gagne en dedans, voyez de faux, voyez de magouille qui gagne dedans. Ou pas faire ou décider pour te bourrer et l'on regarde élection Jovenel là quelque part résultat c'est comme si bulletin était compté pour Jovenel yo. C'est comme si c'est pas résultat ça bail parce que m'pa croire Jovenel te gagne 500 000 moun qui te voté comme quoi résultat là t'es déjà inséré au niveau on base des données en dans sa tabulation hein? Et puis yo fait en forme élection yo fait en forme de comptage yo fait en forme de saisie au niveau et KIPA et pourtant résultat t'es déjà planifié. Si résultat déjà planifié, qui est-ce qui dit tout? C'est pas même résultat grain soulier matelia qui va continuer à priver. Ça veut dire et qu'on y a ça va mettre en doute tout pas grand qui dit si privé pas de gagner un deal avec Martelly. S'il pas de bon deal tout avec communauté internationale là pour te mettre Jovenel sous pouvoir. Est-ce que privé pas de bon deal tout avec soi-disant bourgeois et gazour et criminel ça moi là pour te mettre Jovenel au pouvoir. Ou d'accord? Donc sans pile paramètre que André Michel doit regarder, moi pense que ça monsieur vini avec yo yo de bonnes choses. Par exemple révocation et Léon Charles et d'ailleurs Léon Charles pas même doit quitter, il mandé révocation. Attendez oui, Léon Charles pas même doit quitter. Si Léon Charles tout monde qui honnête. Et si gen moun nan gouvernement Jovenel qui honnête, le Jovenel mouri tout ta doit démissionner en bloc. Ou est aurait été? Donc le fait que aurait été ça qu'arrivé que des bagages à chercher. Soit il aurait été pour gagner contrôle gouvernement ou bien il aurait été parce que on veut faire comme. Ou bien donc c'est pour te quitter on l'autre monde deal mais André Michel pas d'ab deal. Sous deal maintenant pour venir paraître pour moi incohérent par rapport à côté de chaque côté signé avec Ariel là. D'accord ben. Ou d'accord? Ça qu'arrivé Ariel te gagné bonne volonté pour te réunir mon yo pour te faire chita parler. J'étais en parler balan là. Mais puisque bon accord t'es signé ou t'es signé à quoi? Je dis hein et ou ta doit peut-être à demander respecter accord t'es signé entre ou même et équipe ou mais ou pas doit justement tourner en force de répression pour justement permettre que Ariel marche nan bagay nous tout connaît qui paraît impossible et je dis il est clair que question conseil électoral là ça Ariel met bouel lui-même. Alors, ça arrive que Ariel go l'autre mission, parce que ça arrive parce que là, il dou, tout ça, il va commencer, il va commencer à faire, il va le faire encore. Donc, si Ariel a parlé de conseil électoral provisoire, ça veut dire que monsieur a intention pour la faire élection. Si monsieur a intention pour la faire élection, c'est autre, qu'on a besoin qu'on ait qui monde qui prend le candidat. Monde qui prend le candidat, c'est pas le qui intéresse, c'est comment le prend le café fait campagne. Ça arrive ou est un tel candidat, ou X, Y candidat. Donc, je demande à monde qui candidat, faut lui dit moi comment le bral faire campagne. C'est ça moi même ta reme connait. D'accord? Donc moi même je dis là, m'pa vite faire trop littérature. Voilà. M'pa faire trop littérature parce que m'te décidé faire émission comme ça. Donc moi préféré justement pour joindre et monter Casimir donc équipe bon pour moi parce que m'pa besoin et m'pa besoin faire trop commentaire puisque nous avons tout le temps pour nous faire analyse. Nous avons tout le temps pour analyse. N'a pas fait les après. Mais la République, quelque part, vraiment en danger. Et je pense que, avec les positions de Casimir, nous pourrons regarder. Et toute question, ça. Mesdames, messieurs, nous pourrons regarder. Allô? Oui, nous l'avons. Ok, pas de problème, mais bon, Casimir, là, en seconde. Nous pourrons regarder moi aussi, je et Charles Midol. Nous pourrons regarder moi aussi, Charles Midol. Nous pourrons les faire, on tire. Et nous allons passer un bon petit temps ensemble là, mesdames, messieurs, et pour nous garder les questions eh bien, et politiques là, dans le pays et d'Haïti. D'ailleurs, je ne parle pas en pile aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, moi, je vais parler avec deux amis, et c'est professeur et Casimir, c'est un habitué, un ami. Et gagné Charles Ménol, c'est ancien vice-consul dans le pays et la France, c'est capitale Paris. Avec eux, nous allons garder question ça. Puisque aujourd'hui, vision 1, c'est ouvrir micro by des jeunes.
by des jeunes et puis by des monde tout pas jeunes mais qui pas impliqué dans corruption tant que professeur Casimir qui pas jeune même genre avec et Menol vous comprenez qui pas jeune même genre avec quatre grands frères mais qui pas dans corruption pas dans voler donc pays a ouvrir avec eux dans quatre travail à faire pour nous élargir travail nous parce que fond by et les politiciens traditionnels donc on le sont donc dans quelle que soit leur élection à faire l'année ça faut diaspora moi garantie voyez candidats sur tout niveau dans le pays pour prendre le pouvoir, pour mettre délinquants à côté. Mais quand même, ça demande volonté, ça demande quand même volonté, il demande bras, il ne demande pas mon égoïste, il ne demande pas mon en général qui gagne et le moi, la caille, si ce n'est pas moi, il ne pas l'autre. Donc, nous avons besoin des haïtiens conscients, conséquents, qui ont un problème pays et pour nous avancer. Bonjour, Ménol, où est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas, je ne Eh oui, et t'aimes prendre avant parce qu'on est au plus grand, au grand frère nous. D'accord. Au plus grand. Merci à tout le monde qui est à côté de la radio, merci à tous les fanatiques et tout le monde aussi qui est conscient que le pays d'Haïti a besoin d'un changement total. C'est pas une réforme qui est pour faire, non, c'est un changement radical qui est pour faire dans le pays. Donc, moi, je salue tout le monde, mais nous-mêmes, nous avons essayé pour des éclaircissements par nous. Bon, moi-même, à 58 ans, après 59 ans, donc bon, et j'ai vu des choses dans le pays, peut-être nous pas, ouais. Parce que moi-même, dès qu'on a un pays, côté monde, qu'on a travaillé, je vais vous raconter mon pays de Paris. Donc, c'est pour être ça que, Jodian, nous allons essayer de débattre, de mettre quelques idées. Et surtout, regarder ce qui fait nous arriver dans la situation qui est là, Jodian. Merci. Et Charles Ménol. Azarel, je salue Maître Monel, j'en ai pas moins. Et je salue le pays d'Haïti. Et je salue l'ensemble des diasporas. Et puis, voilà, pour nous voir cette idée. Et puis, pour nous dire ça que. Qui est assez intéressant okay. Et pour nous permettre que nous faire des propositions et par rapport avec pays nous pour un changement réel même là c'est pas qu'on y a pour changement réel bon et faut me dire merci tout avec Aral le bal de tout le monde merci avec Aral son grand frère et capé de m'avancer à projet ça merci en pile les grands frères donc là je pense que moi je vais gagner une dizaine de ruches là qui pral sous pied et merci tout et avec Abeille que grand frère pour faire me joindre là tout dans quatre projets ça merci en pile grand frère bon bagay et il gagne nous connaît que les gagnants magasin et bien Apicol dans le nord et côte d'Abonnio vend tout matériel sauf nous pas besoin un tracteur voyez donc et bien électrique ouais nous pas besoin ça mais n'a pas besoin de tracteur et donc et manuel pour que nous capable essayer donc extraire donc miel yo mais parce que un projet comme ça doit démarrer et d'ici décembre et si Dieu veut et ça a rapporté des gadours pour pays d'ailleurs c'est permettre que reboisement et puis travail et puis emploi tout effectivement et d'ailleurs dans quatre projets ça faut que nous et arranger nous pour que nous et gagner et 2-3 employés qui travaillent dans centre apicole ça et côté nous prend le produit abeille. Alors et merci tout puisque dans le nord il y a plusieurs formations qui baille mais malheureusement puisque par Haïti t'es de Wayon un formateur qui a formé plusieurs monde dans le nord plusieurs apiculteurs dans le nord mais son programme international hier soir moi j'ai parlé avec eux et grand frère malheureusement moins pas là mais si m'était là monsieur on a un monde qui tape justement donc en tête de liste dans tête liste là pour capable essayer à faire formation dans grand nord pour empiler apiculteurs puisque bon projet qui dégonne avec eux dans le nord avec chien donc abeilles miel dans pays d'Haïti et mes projets ça aller planter tout dans balatier bonite là et n'a garder question tout dans l'ouest précisément en zone tigouave si m'cap mettez ton programme et comme ça tout et après et nous saluer Adèle, eh bien, c'est sûr, et capote émission ça, c'est de la part de Fréo Lambert, qui donc est tout boubou. Oui, et excusez-moi pour me faire cette mise au point ça, mesdames, messieurs. Prochain modèle Casimir et Charles Ménol, deux amis, nous allons regarder quelque chose ensemble. Jodi a, et kidnapping dans l'imonté, et Ndegadou, 17 hôtels, autorité au paraître, et Ndegadou, incompétent par rapport à ce qui a passé dans le pays. Donc, nous allons regarder kidnapping dans à deux niveaux, au niveau national et niveau, au l'autre niveau international. Mais on regarde li au niveau international et c'est li pral bay donc dimension nationale là. Nous même qui c'est de groupe expert et peut-être gagner Charles Ménol lui même comme consul, ancien vice-consul
Oui, comme mettre Casimir même tout, les passer dans et construire la tour et puis professeur tout en général très expérimenté, qui ça nous même nous sous question qui d'apinan, qui n'te ka dou liaison que tu as gagné avec international là. Bon, la question de ka poser avant poser problème kidnapping là, c'est pour ta poser question quel était le rôle de la communauté internationale. Parce que je dis, pour venir mettre un peu d'ordre dans le pays d'Haïti, et mettre un peu d'ordre, et puis il y a mettre justice dans le pays d'Haïti. Ça, c'est ça que j'ai gagné comme mandat sous papier. Maintenant, qui ça nous constate? Nous constate qu'il y a gang Matissan, qu'il y a gang de Village de Dieu, qu'il y a gang Torcel, qu'il y a gang Cité Soleil, qu'il y a gang La Peine. Ça veut dire que, on peut ceinturer le pays. Si on s'est tiré pays, là où pas en affaire à gang encore, c'est que politique pour réfléchir, nous pas en affaire à gang encore, ou à une force militaire en face, et la police pas qu'à faire avec. Ça veut dire, vous parlez de émergence des gangs? Non, il était gang. Il n'y a pas gang encore. Il n'y a pas gang encore. Okay. Il y a des forces militaires en face. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire là. Donc, pays a ceinture. Et en plus, ce qui ça vous fait? Là, au fin de ceinture pays, et puis il y a montré, il y a monté Pétionville, il y a monté Ganapéve, il y a monté. Ça veut dire que son stratégie de bataille liée, son stratégie de guerre que il y a pilonné mon nom dans le pays. Donc, bagage n'a pas qu'à faire comme ça. Je ne pas penser que M. Sayo, si vous avez gagné, tu es pour faire travailler ça. Je pense que la communauté internationale, ça, les coupables de ce qui a passé et dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, la première seconde, malgré tout ce qui a passé dans le pays, il y a un seul bagage qui est dans le pays, fait élection. Mais pour mener un pays à qui ça? Si c'est pour mener un pays à qui ça est là, moi-même, je ne peux pas comprendre rien. Eh bien, il faut d'abord une explication sur la communauté nationale, qui ça lié exactement. Okay. La communauté nationale, c'est une communauté d'intérêt, ça n'a rien à voir, il ne va jamais mener personne. Il faut qu'on s'agla dans les bon boîte d'outils. Quand la communauté nationale, ou bien l'ONU, ou bien Banque mondiale, ou bien FMI, ou bien les ONG, tout ça, ou bien les ONG, ou bien les médias, là où on prend le pilon au pays, quand il y a un mot qui est extrême, là, par exemple, regardez pour là, quand il y a un pays qui est en Haïti, ou bien en Haïti, là, en otage, il ne peut pas commencer à monter ce temps médiatique là, mais quand on veut envahir le pays d'Haïti, on peut avoir un paquet d'interviews qu'on fait. Il y a pour convaincre la population pour aller envahir le pays d'Haïti. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, là, vous fonctionnez comme ça. Il y a des choses qui sont les FIDH, les Fédérations internationales des droits de l'homme. Vous voyez tout ce que vous avez là, et Human Rights Watch, et ça qui est l'Amnesty International, ça qui est les FIDH. Vous voyez tous ces ONG à obédience pétrolifère et minière. Donc, ce sont des choses qui sont dans le pays d'Haïti, et pas pour le pays d'Haïti. À partir de ce moment-là, il faut qu'Haïtiens soient conscients qui comptent pour aller, qui savent ouvrir pour contre eux. Et la seule chose qui était pour nous faire dans le pays d'Haïti, c'est l'unité du pays. Alors, Roosevelt dit si l'unité des peuples est unie, ce n'est pas bon pour nous. Donc, il faut qu'on fasse tout pour nous désigner. Maintenant, la marche, ça doit être la marche vers l'unité par autre chose. Bon, nous allons quitter le professeur Minol et lui-même tout intervenu, mais avant d'aller, professeur Casimir, regardez par exemple international là. Regardez là avec étrangers, mais on regarde par exemple implication certains soi-disant monde qui dans diaspora non alimenté moyens financiers ou bien zam baïti monsieur Vanupi ça y est en Haïti qui devenu jodia très dangereux pour la population et ou cap dit c'est des bandes de terroristes et cher maître là quelque part est-ce que me ca condamné étranger ou seulement pour me ta quitter et bien donc et certaines diaspora de mauvaise foi. Bon, excusez-moi Nazael, autour du bon bois parce que maintenant ouais, nous passons dans stade de kidnapper ou terroriste. Est-ce une question? Okay. Donc c'est effectivement nous avons des terroristes dans ce pays. Si c'est terroriste ou bien on connaît la police pas faire ça avec eux. On plaît sur lui. Bon, dans la diaspora, m'a fait deux bagages, gagne deux bagages pour comprendre, gagne mon qui dans mon bureau qui t'a sorti PHTK. On pour que dans tout PHTK, tout ça PHTK fait bon. Par exemple, PHTK il dit à porter 30 000 cailles sous bloc et même pas un cala ça va déranger. Donc PHTK dit comme ça que et qu'on est là, il va mettre courant 24 sur 24, donc dans carreau 24 sur 24 ça va dire. Il y a même tellement malade, je dis maman. Azo disons. Donc son paquet monde qui tu pas bien et puis dans la diaspora aussi bon il y a monde qui pas connait est-ce que par affinité parce que bien pas aussi par manque de culture politique aussi on a mis là par manque de culture on a pour école dans bagage ça qui rentrer pour rentrer dans zam avec des bandits bon c'est pas d'accord non l'on dit par manque de culture politique là ça me pas trop d'accord
non, écoutez. Non, parce que sous sou dit ça par exemple, vous écarter possibilité pour nous faire la dessin. Parce que là, on parle pour des douanes, non. Non, attendez, nous pas manque de culture pour que ça va là nous-mêmes. Pour que ça va là nous-mêmes. Mais non, oui, mais pas forcément, il pas forcément manque de culture politique. Il y a des gens qui font la dessin. S'il fait la dessin, mais là, c'est un choix. Mon cher, pour ça, il y a un choix aussi et aller à niveau culture, vous voyez ça? Choix, oui, oui, d'accord, oui, quelqu'un, d'accord, oui. D'accord, mais... Quand on choix, regardez Canada. Ou dit même Canada pas comme ça, si vous regardez il y a en 70, quand le Canada était, vous regardez le Canada avancé. Là, ça, ou même qu'on y est là, on est en train de prendre un coup, par exemple, on est en train de prendre un coup, pour mieux acheter un coup, et que acheter un, même pour nous regarder en arrière. C'est une question. Ou dit, continuez pas moins de jour. Alors, en 10 ans, on est dans le pays, il y a une théorie des pays, il y a une théorie des pays, Oui, là, qu'on y a, ouais, les questions de manque de culture politique, les peut-être son action stratégique, planifiée, et vous pouvez vous cohérer à sa fête là. Ou pas quoi comme ça parce que il y a deux ramifications tout non seulement Haïti mais à l'étranger oui et je mets non mais écoutez ma belle vous regardez bon exemple bon d'après mettre les gens dans des limites dans la banque pour tout dépêcher quoi ok vous comprenez là donc mon culture politique qui a permettre même ça va faire du bas négocier pas besoin de dépêcher quoi non vous me dites dans les pêches ma belle ça mais pour mes pays là on y a c'est mes pays pas grand pays d'Haïti ça c'est normal vous nous n'êtes pas égalé on est qui bague vous m'avez dit que c'est Sevel Wawot. Comment ça me dit là? Donc, c'est une question de Sevel Wawot qui fait mon saillot en train de faire. Et c'est tout ça, son manque de culture aussi. C'est pas où vous avez des droits ou non? Nous pas quoi. Sauf, on est qui pense que qu'on est, parce qu'on nous l'a en Haïti, c'est que Gamba a été au royaume des Amènes, il y a un roi. Le fait que les gens en Haïti, il y a un moyen, il y a un moyen, il y a un moyen. Au nom de qui? Mon côté, ma même mérité d'aller sur la tombe de critiquer. Au nom de qui? La mort a parlé au nom de monde. On est qu'on est qui? On 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 est qui? C'est la mort qui a parlé. Là, je vais mettre où est son bagage planifié. Écoutez, je pense quelque part, les médias étrangers, yo même tout yo quelque part contribué non avec pays impérialiste yo et mettez Haïti côté li là logo on est tant la mode c'est un gros mafia international logo on est tant la mode qui fait pays à en pile et puis l'a besoin par exemple parler dans radio télévision qui n'est yo prend la mode. Mais parce que l'élite haïtienne n'a pas fait protestation. Et là, je vais parler là, oui. Vous faites protestation au nom de. Qui doit que la mode vient pour parler au nom de les Haïtiens, parce que c'est le ministre là-bas. Voilà son bilan. Donc, pour bien prendre la paix, là, qui déjà a un argument. Qui sait que l'élite haïtienne qui est aussi dans l'ignée, par contre, l'être, nous dit comme ça, nous ne pouvons plus envoyer la mode à la télévision parce que c'est différent de voleur. C'est ça, ça me dit. Donc, c'est pour nous montrer, nous aussi, nous-mêmes, nous un peu timorés en tant qu'élite aussi, pour nous dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est certaines choses. Okay. Mais si nous revenons à Bagayo, imaginons, ces gangsters qui étaient payés pendant les 10 dernières années, c'est une question, les 10 dernières années, eh bien, les idéologues, ils ont toujours soutenu même l'idéologie. Idéologie, très important. Très important. Charles Ménol, t'es mouvé avec eux pour ce Ménol, pour ce Ménol là. Si international là, ma pose ça direct et pour faire l'autre considération. Yo. Si international là t'a impliqué dans ça fait là, dans mettre pays à côté de là, on garde derrière pour maintenant. Azael, comment j'ai dit que j'ai parlé ensemble avec vous, comment ça directement. Et m'a venir sur qui m'a répondre une question ça tout à l'heure. Qui n'a venir non, moi dit c'est l'expression de bandit légal pendant 10 ans. D'accord. Ah, d'accord. C'est l'expression du bandit légal pendant 10 ans. Et m'a vini toujours dans la même expression bandit légal là, qui a traversé au niveau international là, sous question sur ce posément. Okay. Si en ce moment, le pays, ça veut dire en Haïti, okay, que théorisé par des groupes terroristes, que l'international là, l'impliqué, à savoir les États-Unis et l'ONU, parce que madame, comment elle dirait encore, qui madame Laline, c'est une bonne chose, que quand il y a des fédérés. Okay. C'est-à-dire, voilà l'implication. Et m'a dit ça. Et si nous faisons historicité de COVID-19, la grande puissance mondiale en ce moment a un problème économique. Et sur la question des irrituels iraniens et des matières premières, où mon pays en Haïti, selon des experts, qui gagne toutes matières premières en Haïti. Non, mais c'est pour dire plutôt en général, en Caraïbes, là, Haïti, c'est le pays qui est plus riche en matière de sous-sol. Et en matière de sous-sol, là. Ouais, c'est ça. Et gangstérisation ou bien
terroriser pays là, occuper Port-au-Prince qui c'est la capitale là, c'est l'objectif même de l'international. Et ouais, sur la question de l'idée de séparatisme. L'idée séparatiste là, c'est presque même genre l'idée qui découle directement qui sortit en Afrique, une série de tribus, une série de côtés qui riches en Afrique que il a divisé. Exemple, Wanamet, son côté qui riche, et surtout en l'or et dans le nord, partie du nord, les riches. Et l'idée que séparatiste ça qui commençait à véhiculer en Haïti, c'est même ça qui met la méditation ça qui fait par rapport avec l'international là pour diviser pays là. Lorsque l'a divisé n'a intérêt particulièrement les États-Unis. Et c'est pour cette raison que pour me conclure ensemble avec vous, la seule chose qui a parlé en ce moment, élection. Et moi-même en particulier, je ne pas pour élection. OK? Élection pour faire qui ça? Et donc, les États-Unis a fait élection, il a placé et président en APIA, il résout quel problème? Et c'est là, ma chère avec Lionel, tout ça y a imposé nous en ce moment, en Haïti, au profit de yo, faut que nous refusions yo. Et c'est pour cette raison que moi-même, moi dit et malgré presque même genre avec Lionel, pour que nous rapatrions ce qu'on appelle souveraineté nous, c'est pour nous dire international. En ce moment même, si il y a vraiment classe politique là, et classe et intellectuelle là, et classe moyenne d'accord, c'est pour demander international là, particulièrement les États-Unis et l'ONU, et tout corps groupe là qui sont syndicales, dit au campé, pour nous poser problème pays. Et si nous pas dit ça, quelle que soit élection, Où est-ce qu'on est capable? Et nous capables si nous mettons nous ensemble, pour nous dire que, écoutez, son question de conscience. Ou bien, est-ce que vous parlez de nous et puis nous avons 100 divisions à la caille, nous avez ça? Excusez. Et là où les pays, là où les pays, vous sortez de sacrifices au-delà des intérêts personnels. Pour faire. Pour nous dire que, je dis à, pour qui ça a gangsterisé le pays à la même? Pour qui ça la République Dominicaine, par la voie du service intelligence, a fourni 400 maos aux âmes? Pour qui ça, les États-Unis acceptent qu'il y ait des munitions, des armes qui sortent de les États-Unis pour arriver en Haïti? Et pour qui ça, les quatre coins pays, les quatre coins Port-au-Prince gangsterisés, c'est pas dans l'intérêt du peuple haïtien? Pour qui ça, la classe moyenne, non, yo a décapitalisé, y a kidnappé, y a fait tout le bagage? Ça veut dire qu'il faut nous poser une question ça. Pour qui ça, les États-Unis pas aider nous? Parce que pas jamais aider nous, pas dans quel côté qualité. D'où la nécessité pour nous répondre à une question, hein, pour nous dire qu'il faut nous camper. Ok. Et mais camper dans camper là. Pour nous poser, excusez-moi, pour nous poser les grands dossiers de la nation, ce que Monel a dit là. Les grands dossiers de la nation. La sécurité, la santé, problème mine nous, il y a besoin de vin voler, problème élection nous, problème santé nous, problème l'école nous, problème sécurité nous, ok, problème gang nous. Faut nous poser problème ça. Jamais. Papa pose une question. Qui a peut-être paraît embarrassant, mais vous répondez. Comment on international la garder nous sur le plan sociologique et psychologique? Bon, ma mère demande. Tu parles pas de ça, Dennis? Ouais, nous, et sauf que ce cas paraît difficile, mais quand même, vous carrez vous dit, ou bien modèle quasi mi-baronnet, c'est comment il passe. On parle de union, et c'est-à-dire que exclut l'international là, et puis et chercher une solution haïtienne, c'est très bonne chose. Mais écoutez, cher mec, moi j'ai fait des expériences, écoutez, ça fait quelques jours là, moi lancé un message. Et d'amour au sein de la diaspora haïtienne, côté que moi mandé pour diaspora et unio et pour constituer une force politique et puis dégager un leadership collectif nous-mêmes pour nous mettre classe politique ça dehors pendant 30 ans plus que 30 ans dehors et puis mettre face au mur régime PHTK qui travaille sous complicité de l'international pour régénérer tête yon dans pays là. Ou connaissez jamais Gindé moun que m'te doué jouer dans téléphone parlé. Mais c'est une question de logique. Mais c'est ça m'dou comme ça que comment comprendre que international la garder nous sous plan sociologique et tout à l'heure m'te répété en question de ADN. Est-ce que on parle d'ADN nous pour yo ouais nous même jodi a sans union ensemble les gendarmes pour l'écrit nous elle écrit. Attends moi. Bonne explication très claire mais ça cache que chaque jour que excusez-moi chrétien ou pas parler avec nous tout en même temps pour pas dire ça. Pas même bagage. Bien un bagage pour comprendre, Azael, lorsque nous avons pris l'indépendance, c'est une unité nationale. Tout de suite après l'assassinat de Saline, nous allons chercher Père Breton, pour Père Breton venir faire coup pour nous. Est-ce que vous avez dit là? Les Père Breton venir faire coup pour nous, il faut nous jouer de Saline. Yep. Ou pas, jamais venir aux Américains à jouer Washington. Vous avez dit là? La preuve pour le père de la nation, ou même vous avez dit que Saline c'est dictateur. C'est un peu le problème. Ou deuxième bagage,
qu'on a intérêt les Gaspard et Molière, il dit que il dit bah une recommandation à la France, il dit faut qu'on fonde une élite haïtienne, c'est-à-dire une élite haïtienne contre les masses, c'est ça, ouais. Ça c'est ça qui a appliqué le contrôle de ton système éducatif. Quand il y a en 1915 les Américains viennent, mais là ils disent eh, moi j'ai affaire à quoi ça, qui viennent sur des demandes de route pour qu'on ait de la matériel, des armées tout ça, non pour découvrir contre l'Amérique. Au bon, dans le moment américain, vous allez dire ah, peuple ça, son seul bagage pour faire pour vous, c'est diriger au maximum, parce que le jour que vous mettez votre tête ensemble, vous allez vous. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est vous êtes. Hein? Donc, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer avec les églises protestantes en Dabé d'Haïti. Vous allez joindre que dans l'église protestante, vous avez méthodiste qui ont Jésus, vous avez adventiste qui ont Jésus, ou bien il y a un Nazaréen qui est l'autre Jésus, en fin de compte, nous avons plusieurs Jésus. Ça veut dire que malgré que mon adventiste, il est bon pour le bagage, oui, mais c'est-à-dire que même si mon adventiste, c'est Jésus par notre plus bon. Sous méthodiste, c'est Jésus par notre bon. Donc, on veut nous gommer entre nous pour Jésus. Alors, dans le cas de toutes ces questions. Mais est-ce que le problème, ça, l'historique, sociologique ou conventionné? Non, attendez, ça, c'est intéressant. Ça dit là, pour moi, est-ce que l'historique, est-ce que le sociologique ou bien est-ce que le conventionné? Non, le reconventionné, c'est le général Wassel avec John Papelton qui était sous pied okay. En basant sur les populations de la soie d'Eodobo. Ok, mais est-ce que là, on y a les papayes ont réflexe négatif tout sous façon que n'a fait politique dans le pays? Mais c'est tout à fait logique. Et dans le balou là, oui. Division en fait à la base, vous faites dans l'école là. Par exemple, dans l'école. Même dans l'école gâchée, il y a l'école nationale, dans l'école nationale, dans l'école gâchée. Ouais, division entre nous déjà. Ok. Et si l'école nationale, là, dans l'école. Merci en pile, Mylène Philogène. Merci en pile. Oui, avancez. C'est bagaille. Nous pas apprendre à travailler ensemble. Pas de bagaille bien. Le bon sujet, ma besoin de mon élève. Par exemple, ma concours sur pollution transportive, ma concours sur pollution électrique. Ok. Mais ma bête est 6 élèves ensemble pour mon CDL là. Mais si c'est en Haïti, m'a fait chaque élève d'affaires pour porter, c'est meilleur dans le bail. Est-ce que ça me donne là? Ok. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre à travailler ensemble. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, comme on voulait, sous décision paysanne, capable ensemble. Au contraire, tout a été fait. Système éducatif a été pour faire pour diviser nous. Nous déjà divisés. Okay. Au niveau de spiritualité, nous déjà divisés. Okay. Donc, l'institution internationale, pas bon pour nous. Maintenant, il faut nous poser cette question pour nous connaître. Il faut nous poser cette question. Quels sont les intérêts fondamentaux de ce pays? Okay. Et c'est à partir du moment qu'on pose les intérêts fondamentaux, c'est valable pour nous. Parce que au sort de ces appels-là, nous ne pouvons pas mettre sous papier les intérêts fondamentaux de ce pays. Mais pour que ça nous fait ça, là, c'est difficile pour le monde. Donc, il faut que nous regardions la méthodologie. Alors, par exemple, sur les élections en Haïti. D'accord? Lorsque fait élection en Haïti, est-ce qu'il y a un jeu dans le débat? Parce que je ne sais pas bien. Si je fais élection, l'élite haïtienne n'a pas compris que 10 000 plantes locales, là, les plus chers que 10 000 importés, il y a des conséquences sur le pays d'Alien, des désastres sur le pays d'Alien. Donc, le marché local, là, inondé pour du pays d'Alien, qui s'est arrivé? Nous viens sous les pépés, vêtements pépés, toute attitude pépé ça yo. Nous détruit capacité créatrice à haïtienne dans tout le monde. Donc, on a impossibilité de promouvoir même petite entreprise en pays d'Haïti. Et l'artisanat quasiment disparu. Maintenant, il faut que l'État ici dans ta chita pour réfléchir, pour dire, monsieur, mon bagage n'est pas clair. Qui ça pas clair? Eh bien, à chaque élection en Haïti, nous-mêmes qui ça gagne, après l'élection, nous avons bataille. Nous allons faire une bataille interne pour transparence et voyons, au moins, parce que je n'ai pas bon. Par exemple, en quelle partie politique par la peuple là? Par exemple, quel parti politique par la femme, par exemple, quel parti politique par la jeune, par exemple, quel parti politique par la chauffeur tap-tap, ni chauffeur moto, ni paysan qui a travaillé, ni petit commerçant. Mais comment vous voulez nous comprendre ça, que vous mettez tout ensemble? D'ailleurs, la classe politique a devenu un problème pour le pays d'Haïti. Donc, nous-mêmes, pour compte pas nous, nous-mêmes, moi-même, mes notes, pour postériel, les commencer à réfléchir, démystifier ça, que les démocraties pluralistes représentatives là, qui excluent tout débat de fond sur enjeux macroéconomiques et géostratégie qui échappait à toute partie politique et à tout intellectuel dans la vie. Parfait. François Bédol. Excusez-moi, bon, si, effectivement, vous regardez le débat, mon élame, sous même l'enquête de l'ensemble avec vous. Moi, je vais vous dire, géopolitique et géostratégie. Moi, étonné que classe politique là, pas comprendre un jeu géopolitique ça, qui est les États-Unis. Chabedol, là, on dit là, n'a pas dit à l'heure où vous gâtez là. Ou gâtez pas là. Excusez. Non, on va parler de classe politique maintenant. Non, excusez. Mais tu parles de moins bientôt. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, pas de classe politique en Haïti. Non, pas parler mot ça, pas parler mot ça, classe politique. Pas tellement vrai. La politique. Oui,
dimension enjeu géopolitique et stratégique là. Et c'est ça Monel a dit. Et pour nous poser ensemble des problèmes ça. Pourquoi les États-Unis s'intéressent de nous? Faut nous poser question ça. Et pourquoi il y a pas mal de commissions qui rentrent en Haïti de la même façon que la première commission civile en France? Faut nous poser question ça. C'est-à-dire que et pourquoi pas mal de commissions? Pourquoi pas mal de discussions et après on dit il faut s'entendre entre nous? Eh bien, si la nécessité de s'entendre entre nous, eh bien, là, nous pas besoin de monde pour faire entendre nous. Si nous posons problème yo, un jeu c'est qui ça yo? Est-ce que je dis à faire problème élection que nous gagnons? Non. Notre problème est sécurité. Nous avons l'autre problème encore qui greffe sur la situation. Et ce que Monel a dit, un jeu géopolitique et stratégique là, nous pas saisir paramètres là, nous chita simplement à réfléchir, en nous entendant nous entendre encore, en nous entendant nous ceci, nous pas le bail d'autre blanc vini, nous dit mais ça nous proposer. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! C'est-à-dire, la question de et indépendance nous, en tant que haïtien, ou bien pour nous joindre, solution, nous pas jamais joindre. Quelle que soit solution internationale, portez ben nous, il n'y a pas d'intérêt, peuple haïtien. Et intérêt, solution, il n'y a pas d'intérêt, nous, faut nous apprendre, discuter entre nous pour nous poser problème ça. Nous avons un jeu sous tête, nous avons un ensemble de biens, un ensemble de richesses que nous gagnons, qui convoité par l'international, particulièrement les États-Unis. Écoute, écoute, ils sont un jeu qui fait planer sur nous. Okay. Maintenant, d'où la nécessité de nous poser problème yo pour nous une solution entre nous. Okay. Et après. La 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 qu'on y a là et on parle dans littérature mais parce que nous voulons venir avec des éléments concrets. Attendez, on parle tout à l'heure de géopolitique ou cibler les acteurs politiques non pas la classe politique. D'ailleurs, on dit classe politique dans le pays, ça veut dire quelque chose. Écoutez, Jovenel tout en général tout t'es un problème géopolitique. Et c'est un jeu sous question géopolitique là que Jovenel pas mesurer tout. Qui mettait en difficulté. Par contre, c'est Kazimi. Mais Kazimi. Ah, mais écoutez, mais ça, c'est manifeste. Bravo. C'est bravo. C'est manifeste. Mais c'est pas tellement, l'inconsistance aussi de formation élite, nous, en matière de géopolitique, de géostratégie, mettez-moi dans la case à tout. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'on est nous formés à l'Occident. Occident formé, nous, pour nous travailler avec eux, mais pas pour nous penser, je ne pense pas, nous, certainement. Donc, le problème, c'est que. Ma bonne idée. Ouè tout moun a chaché copier droit et constitution américaine, constitution française. Mam bon exemple, ou gen le droit russe, qui sa le droit russe la dit, le droit russe, l'autre pays, tout qui dit ça, le droit russe est supérieur au droit international. Est-ce que ça veut dire? Ok. Dans la constitution russe là, les droits qui les LGBT a été dit la constitution. Est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que bon bataille géopolitique mondiale, que Haïti inscrit la donne, mais les hommes politiques, les racketeurs politiques en Haïti, pas à comprendre. Et ben ça, nous chitons à prendre des guides au monde, on a fait élection, comme tout le temps où tu parlé là, qu'André Michel a pris un des guides au monde pour avoir élection, ça vous est au bon. N'a pas un petit rappel, et mettez-le là. Regardez-vous, depuis 1987, on a fait élection dans le pays, c'est catastrophe qui fait dans le pays. Logique. C'est logique. Maintenant, ça n'a fait en Haïti, c'est pas élection, c'est pas élection. Moi, qui vole élection, doit gagner fondamentalement vole élection. Parce qu'il faut que nous distinguer sur le plan théorique l'électoralisme néocolonial que nous avons fait en mondialisme et ça gagne les élections. Mais chaque élection, fondamentalement, il n'y a pas qu'à bagage ça. Un, consolider l'indépendance nationale, c'est première vole élection. Deuxième vote élection, c'est consolider souveraineté nationale. Ouais, mettez l'indépendance nationale. Et deuxièmement, souveraineté nationale. Troisième élection d'Adouégué, c'est élever niveau vie et garantir dignité peuple. Voilà trois votes élections. Et donc, trois votes ça vous bien rempli, vous pouvez aboutir en bagage de l'État performant. C'est une question. Nous, État performant, il y a trois objectifs. Il y a un État providence, un État de sécurité et un État nation. Dans l'État providence, c'est un État qui est capable de créer richesse pour toute construction et pour bien-être pays. Ça veut dire que sous Duvalier, ou mettre vous voulez c'est un minimum d'État providence. Parce que vous avez ASCO qui est en entreprise d'État, ou vous avez Minotri qui est en entreprise d'État, ou vous avez Telco qui est en entreprise d'État, les usines sucrières, c'est en entreprise d'État. Il faut que l'État investisse au minimum pour l'industriel. Vous comprenez? Vous avez l'État de sécurité. Ça veut dire qu'il faut, avec l'armée, ou assurer la sécurité des citoyens, et avec la police, ou assurer aussi la sécurité des biens intérieurs, et sur le plan extérieur, l'armée aussi doit bien la protéger. Et quatrièmement, c'est un peuple qui doit fédérer dans un seul objectif qui est le changement de ce pays, c'est ça pour l'État-nation. Est-ce que c'est bagage qui est respecté en Haïti en matière d'élection?
Si c'est eux qui respectent en Haïti, on continue à faire élection. Mais si c'est pas ça, on casse tête tournée, on prend camper sous la élection pour poser problème pays. M'a posé deux questions et nous on a qu'à répondre. Et puis m'a coûte parce que le a couru et nous on est on va le prier bientôt. Attendez. Parce que là, je veux dire concret. Parce que diaspora a plein de bagages concrets. 1, 2, 3, 4. Qui route pour nous faire là pour nous retirer pays à la mairie politique pour nous faire des gens qui en Haïti qui sont capables, des jeunes, pour nous faire des gens dans la diaspora qui sont capables, des jeunes, et des gens qui ont l'âge tout à coup même, mais qui n'ont pas de corruption. Qui ça pour nous faire? Ça fait une. Deuxième question, hein? C'est gang qui en Haïti, yo, au profit de qui est-ce? Yo, qui est-ce qui t'a mis yo? À qui but? C'est comme si, à qui fin? Ok. Excusez, Adèle. Bonjour. Première question. Pas jamais une génération spontanée. Son génération pour préparer. Okay. Pas oublier que mon système qui est en place. Okay. Le système qui est en place là, son système qui est en place pour faire obstacle à tout ça qui a paraît en place, en face. Là. Okay. Et c'est pas aussi facile pour sauter le système ça. Okay. C'est ça qu'on fait. Dans un premier temps, et je vous en encore, faut que nous avons une discussion en permanence et faut que nous travaillons en groupe de réflexion pour nous poser des problèmes. Et c'est quel problème? Un, classe politique n'est pas bon. Mm-hmm. Si classe politique n'est pas bon, comment nous allons remplacer? Nous pas remplacer. Par contre, c'est que dans tête, nous allons remplacer aussi rapide comme ça. Mm-hmm. Non. Vous avez moyen, mais vous avez un système longtemps. Mm-hmm. Faut que vous faites avec vous. Ou sans yo, mais il faut construire un mouvement de conviction. Ok. Attendez bien ça, bref. De conviction et de prise de conscience. État que nous y a là. Mais, si, parce que je me pose un problème comme ça en Haïti en 2005. Je te dis, faut que nous retirer toute génération ça. On a été passé, camarade, yo te bourré, monsieur. Si pas, si pas, faut que nous prenons ça avec pincette. Oui. Est-ce qu'on comprend? Oui. Et, bon exemple. Jodi a, ou bien diaspora, lié à l'extérieur. Mais il n'est pas en Haïti sur le terrain. Mais comment que notre travail pour nous préparer effectivement après classe politique ça? Mm-hmm. Faut l'étudier force classe politique là, faut l'étudier faiblesse li. Oui, mais où dit après? Oui, mais ça, maintenant, mais ça a pris trop de temps, cher maître. Parce que là, mais, et, c'est comme si nous avons une deadline devant nous. Nous avons une deadline devant nous. Haïti, li, pour moi, déjà traversé la ligne de démarcation. C'est comme si. Donc, ennemi a déjà foulé 5,50 m. Nous dans ligne où est ce territoire de nos retours là, ça il faut nous agir vite. Et c'est une raison qui fait que nous lancer appel là. Ça veut dire que là nous pas temps perdu. Jean Bala là parce que nous pas quitter, nous pas quitter équipe Moussa là prend pouvoir encore là pour 5 ans encore. Est-ce que gars vous ma fin ba oui modèle. Et Azael. Oui. Moi comprends nous. Moi comprends nous. Et préférer, attendez, comment bien ça m'a dit là. Moi vivre un bagage dans système ça qui en place là. Il n'est pas facile pour le quitter émerger. Et ça fait que l'on réfléchit autour du système, il faut rentrer en dedans pour comprendre, il faut qu'on ait qui est l'anio qui m'a dréo et qu'on ait l'animal politique, comment pour aborder. Et derrière tout, comment pour saisir pour rentrer là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas une chose facile. Oui, là, en général, je ne suis pas fini d'accord avec l'approche. L'approche paraît décourageant et l'approche paraît négative. Toi, pour moi, je ne pas de négatif, non, mais il semble à ça. Il semble à ça. Non, c'est comme si, c'est comme si vous mettez diaspora, vous mettez diaspora, vous mettez jeunes, vous mettez les gens qui ont mes propres, mais moins matériels, l'autre. C'est comme si je m'en vais décourager. Je pense que dans le général, là, ça m'a demandé pour nous. Excusez, moi, expliquez-vous, les gens qui font expérience avec certains nègres qui ont dans le système, non, moi, expliquez-vous un jeu qui est dans le système. Non, mais, non, là, on va parler de. Non, parce que, oui. Excusez-moi, un jeu qui gagne, comment vous connaissez pour contourner l'obstacle ça pour capable remplacer Mounsayo qui l'a? Ça veut dire que si nous disons aller rapide pendant 5 ans, nous construisons une vitesse avec la précipitation. Par contre, vous comprenez ça? Ça dépend. Libre à dépend mécanisme. Libre à dépend mécanisme et tout. Pas mal de bagages. Pour mettre en diaspora, faut prendre des décisions. En politique, c'est ça, il faut prendre des décisions. Première décision qu'on prend, pour nous poser trois conditions, deux conditions. Première condition, nous avons 42 arrondissements dans le pays d'Haïti, nous avons fait nommer 3 mounes par circonscription. Vous voyez ce tableau là, circonscription politique en Haïti, dont nous représentons la diaspora. Là, il faut nous clair avec ça. Donc, ça fait 126 personnes
ou même que la soirée 42 dans mi-temps, parce que chaque problème pays d'Haïti pas même dans chaque zone, pour lever tout problème zone. Ça c'est première des choses pour nous faire. Ça n'a pas comme décision, si nous pas d'accord ça, quel que soit gouvernement pas d'accord ça, nous pas pour nous en Haïti pendant 6 mois. Non, non, là, là, qu'on approche pour faire, t'es bon. L'été bon, map de comment? On dit par exemple, mouvement diaspora mes propres là, ou bien mouvement moun mes propres yo, nous dit que, puisque j'en dis a gagné, et 40 combien arrondissements, et vous comprenez? Et puis, il y a 100 combien communes. On dit que tu as mis, par exemple, un représentant dans chaque commune. Ça, il n'y a pas dépend de l'État, non? Il y a dépend de structure nationale et internationale. Là. C'est-à-dire que, national là, lui-même, international là, mettez campé en structure. Donc, qui vient tourner en l'école à travers une idée bien fondée, de cadre bien bah, idéologique, cap, de cadre et charrier toute revendication de la population. Mais ce qu'on fait, ou porter structure ça en Haïti by l'autre monde qui semblait où et puis ou nommer des représentants au niveau municipalité ou bien communio qui a porté non seulement message structure et structure by yo et puis moun sa tout la ramasser en cahier de doléances porté par structure là comme ça nous même au niveau diaspora au niveau des monde qui Haïti qui rentre dans mouvement mais propre ça a changé pays ya. Là, nous pral mettre des candidats sous pied, sorti président pour arriver à ZEC. Là, ça a, moun nan pas vini avec un autre discours. C'est discours. Discours, c'est discours qui sorti dans l'école nous, que le pral bail dans la municipalité. Et, m'bon garanti, travail ça a, il ka abretan, c'est moi et nous besoin seulement à volonté. Nous avons même l'idée parce que, Moïse Amado, les moins libres en département, toi et un, par arrondissement, on est arrondissement qui est un arrondissement qui est dans les trois communes sous lui. Donc maintenant, c'est aux arrondissements de gérer ça. Gouba, vous avez dit là qui est très intéressant pour nous, parce que là, nous faisons ça, ça ne va pas encore. Et là, nous allons parler d'une formation idéologique. Ah, c'est ça, bravo! Bravo! Ah, bravo! Alors, pour idéologique, là, toi, deuxième bagage, il faut un programme de gouvernement pour travailler sur lui. Troisième point, il faut un projet politique sur 50 ans. C'est toi qui t'as pour faire une nous-mêmes structure à nous poser 126 points. Ça, c'est pour nous qui t'as pour faire constituer, qui t'as pour faire constitution en base sur la constitution 1850. C'est une question. Ça, c'est nous-mêmes dans un modèle. Et ensuite, nous reconstituons ça. Et ensuite, après, nous reconstituons le programme de gouvernement et le projet politique. Non, attends, et, sauf que Mounsayo, il n'est pas obligé d'en dans structure l'État. Non, cher maître. Il est dehors l'État, oui. Attention, oui. C'est comme si Mounsayo, juste, il est représentant structure là. C'est lui qui porte l'évangile là-bas. Bien entendu, parce que ma mère nous bagaille bien. Vous comprenez bien, lorsqu'on lance un mouvement comme ça, on essaie de disposer de 3 mouvements qui marchent à mettre. C'est une question. Mais on va pouvoir le plus large possible pour nous chiter, pour nous discuter. Et puis, pour les gens, pour qui ça a besoin de 18 ministères? 5 grands ministères. Retirez un peu de ministres, et vous postez ministre à vous, mais retirez 5 grands ministères. Par exemple, rattacher certains ministères à d'autres ministères. Est-ce que ça veut dire là? Ou pour ce qui permet. Non, mais pas besoin. Beaucoup arrivé là, cher mec. Beaucoup arrivé là dans la structure de l'État. Beaucoup arrivé là. Et parce que l'État, quelque part, faut nous travailler. On prend par exemple le ministère de l'Agriculture et le ministère et Tourisme. Ça, qu'on y a là, pour moi, là. Bye, grand merci. Vous grand merci. Ok. On prend le ministère haïtien, vive à l'étranger. Ça le vaut. Inutile. Non, pour le ministère qui est le ministère et le ministère de Kadou, vous parlez de la paysannerie. Non, attendez. La paysannerie, ça le vaut là. Yo parlez de ministère femme, ça le vaut. Bon, d'ailleurs, femme a passé misère à Haïti chaque jour. Yo violé yo, yo bat yo, yo nan misère, yo nan grand goût, et vous dites que ministère femme, ça va voir rien. Mais nous-mêmes, pour nous commencer à réfléchir, pour les propositions. Alors, moi pas dit que yo pas ta ka bon, non? Yo te ka bon, oui. Kone ya, fon gade, loi cadre qui mette yo campé ya, est-ce que gen moyen pour que loi sa yo respecte? Oui, c'est quoi? Mais pas qu'on arrive là, cher mec. On aurait été toujours. Oui. Bon, faut dire que c'est pas mais ça, moi, je dis. Je vais parler de deux mots d'aléa, conscience et conviction. Ça dit bien, ça me dit. Conscience et conviction. Pour qui ça me dit des mots, ça? La taille que nous faisons, il faut qu'on ait une conviction et il faut qu'on ait conscience pour le pays à changer. Et c'est l'une des raisons que tant que modèle aujourd'hui, on a pu battre tout ça, et modèle tout beau. Toute sa déclaration qui va aller aujourd'hui là. Et sous question, exemple, structure ça. Faut que c'est un l'évangile qui a une idée que nous avons véhiculée. Ce n'est pas dit classe politique ça va bon, en général. Mais c'est discours qui a venu avec les souterrains qui a changé d'Onea, qui a dit, où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est passé? Mon cher, il a dit classe politique ça va bon, et bien la prêche.
par exemple, bon mot par exemple, nous parler de chaque arrondissement de façon que pour le développer. On prend la Tibonite que on dit c'est la Tibonite c'est tuée. Ça veut dire que d'où la nécessité la Tibonite. Discours que nous calguer la Tibonite là, ça c'est discours qui prend accès directement sur la question de l'agriculture. Ouais, ouais, ça me dit là. On prend exemple. La Tibonite a tellement de bails pour faire la Tibonite. Si on est la Tibonite est son côté délicat, très touristique. Où est-ce qu'on doit passer? Bah, il faut que tu aies un cap. Oui, 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 c'est vrai. Donc, il y a une réflexion globale qui pouvait tout payer. Ça fait me dire que la structure que nous avons besoin, qui partit directement de l'arrondissement, c'est la structure qui va monter nous pour comment pour nous camper le pays. Mais ça me fait nous comprendre très bien, monsieur. Nous, et tout ça n'a pas fait, on ne peut pas faire sans un retour à l'Afrique. Pour que nous discutions, nous discutons avec les Africains et les Caraïbéens. Parce que je m'appelle des discours, monsieur, je m'appelle des discours, et le ministre des Affaires étrangères de Dominicain, vous voyez ce qu'il dit. Et dans l'ONU, en parlant d'Haïti, oui, l'ONU consacre à la République Dominicaine prête à soutenir un dialogue politique crédible et inclusif durable en Haïti. Un dialogue soutenu étroitement par les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux clés, tels que la CARICOM et l'Union africaine. Qui est homme politique haïtien, soi-disant Rafi Desaïo, qui vient de faire un discours sur la CARICOM, voire sur l'Afrique? Et pourtant, firmé, c'est déjà posé, donc ça crée une constitution pour les Caraïbes. Rossi Marti, elle rencontre à firmé, c'est firmé qui bat le plan pour les dépendants à Cuba. Alors ça veut dire là, ça veut dire que nous, excusez l'expression, nous sommes des ignorants de notre propre culture malgré nos diplômes. Est-ce que ça veut dire là? Donc, nous faut former nous, mais il faut nous ignorer toute sa beauté, toute sa part. Et très difficile, oui, Azaï, elle trouve nous intellectuels, malgré que nous soyons capables de firmer à l'aise. Oui, mais sauf que je vais mettre moi-même, et non, le nous arrivé là. Et c'est littérature là, vous comprenez? C'est littérature là, beaucoup senti mal à l'aise avec elle. Parce que même littérature, pour moi, c'est l'aime chit à moi, Haïti, à prospérer. Pas de gang encore. Autorité pour voler. Diaspora à l'aise pour bien investir. Et c'est pour ça que moi-même, moi rentré dans la bataille là. Là, pour moi, comment tu es capable d'unir nous? C'est ça, besoin. Pour une fois qu'il faut qu'on peut parler, ou à faire gang, on a parlé, à mon position personnelle, ça peut être pas position monde. À la minute qu'on dit bon, l'État dit bon, ok, dans l'État pays, il y a des pays qui sont pays qui est attiré, donc nous avons des terroristes en face de nous, nous allons discuter avec les terroristes haïtiens. Bah, terroristes étrangers, terroristes haïtiens, oui. Pour y avoir tout dans le cap pour les amis. On met tout. Mais pas fait. C'est une question, parce qu'à un certain moment donné, il faut consolider les pays. Mais pour consolider les pays, il faut avoir une vision. C'est une question. Okay. Mais le problème d'Haïti, c'est l'absence de vision. Okay. Nous-mêmes qui comprenons la situation, hein, nous-mêmes, qui sommes capables de faire, c'est non seulement qu'on est pour nous monter un site, c'est une question, nous prenons des réflexions sur le site, on dit bon, mais ça mais nous amène au débat. Et puis, pour qui ça ne va pas faire des réunions par Zoom, moi-même ou même Thériel, tout le monde, les réunions temps, on dit marche tout chita. Non, on a fait. Et c'est pour ça que à partir de la soirée, Mbral et m'a écrit tété là pour message à des jeux tout dépendant. Regarde la soirée tout après émission parce que là dans l'émission pour nous mettre campé en groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp ça là pour nous prendre des moun. Mais des moun qui ka bataille, des moun qui gen volonté, des moun qui vle pays à changer. Par exemple Minol ou même qui en France, ou ka rentrer dans groupe ça tout, ou ka mobiliser justement donc ou ka faire des conférences, ou ka faire des séminaires. Vous comprenez? Ou inculquer des kadou l'école nous pral faire dans tête moun yo. Et moun sa yo même tout, yo sorti dans un département, yo sorti dans commune, yo sorti dans quartier, yo sorti dans zone, y a retransmettre même l'école ça bay famille en Haïti. Donc, là prend par exemple des moun et qui aux États-Unis, Canada, Brésil, n'a fait même bagaille là et s'il faut en général pour voyager, aller dans conférence de presse, aller dans séminaire, al faire maximum possible avec beaucoup de méthodes, inculquer l'évangile en tête moun yo, n'a fait. On pas besoin à Haïti par exemple. Bah, moi, je suis bon à Haïti, par exemple. Je suis okay, n'a occupé Goumon, n'a occupé Marmelade, n'a occupé Bayonet, c'est ce communal, n'a pris Henry, n'a pris Opoto, ou bien, m'a gardé Souvenance, m'a gardé Bayonet, ou bien, donc, même Jean, par exemple, je suis ok, je suis allé balader pour les autres feuilles, puisque je suis sur d'autres feuilles et tout, ou bien, donc, n'a fait le même bagage là, et je suis garanti. Ou pas, jamais jouer un Haïtien, ou à l'occasion, oui, mais majorité Haïtien, pas d'accord voter pour 1000 goudes, parce que les comptes sont votés, ils ont un programme dans 1000. Et programme ça, et pas pour douce nègre 40 ans, 50 ans que t'es là, qui finit faire beurre, madame Yolot Boyab joui, mais c'est des mondes qui viennent avec des 109, des têtes nègres bien pleines, bien faites, qui pour l'école, ça va être pour changer le pays. Azael, actuellement là, on examine la partie politique. On dit tous les candidats qui ne captent pas dans l'État, interdiction de mes petites dans l'école, ni dans l'école. Et t'as mon seconde, parce que.